Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Ah, ça fait bizarre de voir une autre maison de l'extérieur comme ça, au lieu de notre vieille petite ferme. Oh là là, ça y est, dans 24 heures Sims, il y a le premier bébé de Radgonde et Amédée qui va débarquer. Un peu de patience encore. Oh No, God, please, no. non! Non! Oh, Mathurin. Mon Dieu, ça y est. Ah, il a duré beaucoup de temps, hein, Matutu, hein. Il est passé à la maison, il nous a offert des graines de fruits adorables comme il était. Il est désormais parti. C'est triste. On savait que ça allait arriver néanmoins. Petit coup d'œil sur l'arbre généalogique du coup des Flaubert slash Aubert. Mathurin vient de décéder, il reste encore Pétronie qui elle reste pétillante, hein. Et tous les enfants que nous avons, bah fait, donc nous avons Fulbert et sa femme Sarah Marie et il a eu une petite Alice. Du coup Alice il l'a eu avec qui? Oh là là, avec une femme qui n'est pas du tout sa femme. Bon, c'est pas grave. Nous avons sinon le petit Anastase et Manon qui ont eu, c'est vrai, la petite Pernille. Ben, Pernille, elle porte un poney de merde, donc on peut pas voir si elle est rousse ou brune. On a eu Cunégonde qui est donc mariée avec Sandor. On a Tancrède qui pour l'instant est encore adolescent, donc je ne peux pas encore le marier. Et la petite Hildegarde, dernière du lot, qui ben, du coup non plus ne sera pas mariée pour l'instant. Et on a notre petite Hildegarde qui va bientôt pondre. Ouais, je sais, Hildegardie. Ouais, je sais. Je crois que j'arrête pas de confondre entre Radgonde et Hildegarde les prénoms, mais bien sûr, vous avez bien compris qu'on est avec. Avec Radgonde, hein. Ouais, j'ai l'impression que je dis Hildegarde plus que Radgonde, mais c'est pas grave, je suis bien au courant que c'est l'une et pas l'autre, hein. Allez, les bons petits macaronis au fromage. Ah ouais, je sais. Les macaronis à 4h30 du matin, hein. C'est les désirs de femme enceinte, tout ça. Et un niveau 3 de cuisine déjà pour Radie. J'espère qu'elle nous fera autre chose que des macaronis. Hein. Oh, Radie, t'as chié dans la colle! Ça va chier dans les casseroles. Elle n'a pas fini de faire ses macaronis, on est obligé de les jeter et les refaire. Donc ça veut dire qu'on aura perdu de l'argent. Tu sais que là, c'est un peu tight. Hein. On est jeudi. On a encore quelques jours à attendre avant de refaire à manger. Donc s'il te plaît. Zen. Oui, bah maintenant tu fais tes macaronis et tu les fais jusqu'au bout. Oh. Tu sais que t'es plus obligé de puer à ce point, Amédée. Tu peux te laver. Je pense qu'au niveau construction et tout ça, on va pas beaucoup investir parce que il va falloir acheter le berceau du futur bébé. Et que sinon, il nous restera vraiment plus grand chose pour se sustenter, quoi. Voilà, on est à la dèche, il nous reste 85 simflouzes, mais j'ai acheté le berceau pour le futur bébé, alors je l'ai volontairement casé ici pour qu'on se dira que bon, il est à côté de la cheminée si au cas où il a froid. En plus, il aura un joli vase à côté de lui pour respirer des bonnes odeurs. Parce que là, tout seul dans cette chambre éloignée, voilà, je trouvais ça un peu moins cosy. Alors qu'ici, c'est très cute. Bon, il va Ça essayer de va. réconforter sa petite femme. En même temps, il connaissait à peine son beau-père, donc. Oh, et puis ça n'a pas marché. Oh, puis réjouis-toi! Il y a une vie qui est partie, mais on vient bientôt en accueillir une autre. Ce sera bien. Oh ben, il y a été lui-même faire un petit peu de. S'occuper du jardin en même temps avec ta femme qui va exploser. Je pense que t'es bien sympa. C'est trop sympa, on entend l'église qui sonne et tout. Ah, j'aime beaucoup l'ambiance de ce petit village à Widenberg, ça me plaît vraiment bien. Bon, comme il n'y a pas grand-chose à faire encore dans cette. Tu vas me faire un tabouret de bar à 15 simflouzes. Je vais pas utiliser les trucs qui coûtent trop cher. Au pire, hein, on commencera déjà à vendre nos productions avant dimanche pour avoir un peu de sous, mais ça va être chaud quoi, d'ici dimanche. Même sur le point d'accoucher, hein. Radgonde, elle veut pas. Elle veut pas se reposer. Elle veut toujours faire quelque chose. Nettoyer, tout ça. Donc, bah, je vais lui faire. Hein, vu qu'elle ne souffre pas. La petite vie tranquille de Radgonde et Amédée. Bon, elle peut nous faire des petits bouquets parce que c'est des fleurs qu'elle avait déjà dans son truc. Donc, ça va rien nous coûter.
Parce que là, 70 influx jusque dimanche, c'est chaud, je vous raconte pas. Je sais pas ce que je vais leur faire faire, hein. Ça va être long. Oh, mais je sais ce que je vais faire. Il va faire des robinets solides, il va bricoler, mais dans genre gratuit, hein. Donc c'est bien, ça lui fera monter sa compétence. Et puis d'un autre côté, bah, il améliore la baraque. Tiens, tiens, tiens. Oh. Oh. Sarah Marie, la petite femme de Fulbert. T'aurais pas un petit peu la gère, mademoiselle? Je pense qu'ils ont fait un pipi. Mais je sais pas encore. Ah oui, demandez la date prévue de l'accouchement. Ah bah ça c'est l'instinct de femme enceinte qui voit une autre femme enceinte, même si ça ne se voit absolument pas. Ah, c'est trop mignon! Fufu, il va être papa. Enfin, j'espère que c'est lui quand même, parce que ce serait dommage. Il est pas mal ce nouveau bouquet avec un vase en terre cuite, c'est plutôt pas mal. Ça rend mieux que le nid d'oiseau qui fait encore un peu trop métal. Tant mieux parce que là, celui-là, il est. Voilà, bah, il est pourri, donc il faudra le jeter. Voilà. Allez, lui aussi, ça y est, il est malade, il a des zébrures sur la tronche. Oh, Radie, elle est partie se faire une petite sieste devant la cheminée. Elle se dit bébé va arriver, alors j'ai intérêt à me reposer et être prête tout à côté, quoi. C'est dur, ma belle, hein. Ça va pas tarder à arriver. Tu vas surtout aller faire un petit pipi parce que, ouais, tu vas te faire dessus sinon. Puis promis, tu t'iras te coucher après. Tu auras bien mérité de repos avant d'accoucher. Ah oui, là ça se voit! Un petit bébé on the way! GG. Ah bah merde, pendant qu'elle va partir, le truc il est aussi pourri. Eh oui, ça dure quelque temps les compositions florales, mais pas éternellement. Allez, profite de tes dernières heures de tranquillité, mon petit Amédée. Et un petit bébé qui va arriver. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est! Ça y est, ça y est. Est-ce que tu vas avoir le temps? Ouais, non, mais il faut que t'ailles pisser parce que sinon tu vas te faire dessus. Je sais, t'as un étage à descendre, c'est chiant. Je sais. Allez, va faire pipi, puis tu reviens ici pour nous mettre un petit bébé au monde. On va réveiller Amédée tranquillement, qui va paniquer. Ça y est, il le sait. Il va devenir un gros daddy. Un daddy de la folie. Voilà. Allez, c'est parti! Vas-y, Radie, pousse, Radie, pousse! Oui! Allez, faut qu'il y en ait qu'un. De toute façon, il n'y en aura qu'un. Il y a de grandes chances. Et ce sera la surprise générale. En tout cas, ce sera un bébé qui sera brun. Ça, c'est sûr. Attention, la sentence va tomber. Et c'est une fille! Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et elle s'appellera Eulalie Aubert. C'est un peu bizarre, non? Eulalie Aubert. On s'en fout, on l'appellera Eulalie quand même. Et elle est toute seule, évidemment, puisque nous avions un foyer presque complet dans la ferme. Donc c'était logique, tu vas pouvoir l'allaiter et la bercer. Ah oui, non, c'est tu t'en occupes direct, hein, cocotte. Hein. Voilà, une petite fille pour premier bébé. Et bienvenue à elle. Quoi de mieux qu'après avoir accouché que des bons macaronis au fromage? Oh oui, ma pépette, t'inquiète, c'est bon. Allez, ça commence déjà, les emmerdes. Super, tu vas pouvoir venir t'occuper de ta fille. Oh, quelque chose me dit qu'on va avoir de la lessive à faire aujourd'hui. Oh, bravo, Adi! Elle a une excellente réputation et elle s'entend bien avec sa petite fille. Vas-y, tu peux continuer à lui parler. Oui, tu vas être lavée après, t'inquiète. D'ailleurs, en attendant, ma cocotte, tu vas pouvoir me faire la lessive dans la bassine. Allez, go! C'est parti. Allez, ma ratgonde. Première lessive de femme mariée, de femme de mère au foyer, tout ça. Enfin bref, dans ta nouvelle maison, quoi. Profite, c'est pour la dernière. Et voilà, une lessive de fête. GG, radis. Ah là là, ça m'avait pas manqué tout ça. Bon, on voit rien, hein, mais. Elle l'allaite. On devine qu'il y a quelque chose de tout rose en dessous. C'est bien le bébé. Mais même ce truc-là, il est pourri maintenant. Ça n'arrête plus. Bon, lui, comme il avait besoin absolument de surmonter le divertissement, on a la chance d'habiter pas très très loin des trucs là, des trucs d'échecs. Donc bah, je l'ai envoyé, puis là, il va jouer tranquillement. Et il va se remonter doucement le divertissement. Et du coup.
Voilà. Elle s'occupe à refaire un bouquet parce que bah, on en avait plus de correct. Ils avaient un petit peu tous pourri. Et tu vas m'ajouter un vase en céramique cuite. Voilà, nickel. Allez, un déjeune parent. Pour l'instant, c'est toujours quand même. Et lui, il a toujours des trucs qui grattent. Ça commence à me gaver, ça. Allez, Amédée, tu vas faire ta petite construction du jour. Tu vas me faire une jardinière. Voilà. Ça devient de plus en plus creepy pour finir la semaine. Et on est vendredi, il nous reste 2 jours avec 50 simflouz. S'il fait une construit par jour, bon, voilà, on peut peut-être essayer de s'en sortir pour la semaine prochaine, mais ça va être compliqué. Il a atteint le niveau 5 de compétences bricolage. Faites-moi voir ce qu'il peut faire de plus. Bon, rien, apparemment. Après, on n'a pas les moyens hein, d'investir tout ça, c'est bien dommage. Mais bon, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a Baby Eulalie qui pleure. Il faudra s'en occuper avant de s'occuper de toi, ma petite Hildegarde. Radegonde! Quand je vous dis que j'arrête pas de confondre. J'ai oublié de lui faire récolter les petites fleurs là à Radis. Lui, il a récolté les carottes. Parce que comme ça peut influencer les grossesses, c'est pas grave, lui pourra les manger s'il a un coup de. Voilà, s'il a faim et tout. Elle va s'occuper plus des fleurs. Pour faire des petits. Bah voilà, compétences de jardinage. Pour faire des petits bouquets, quoi. Pour améliorer la maison. T'es déjà fatiguée? Attends! Il y a ta fille qui vient de se réveiller. Je veux que tu ailles lui parler, que tu ailles la serrer dans tes bras. Tu l'as même pas encore touchée. Elle dit, c'est ton enfant, hein, c'est ta chair et ton sang. Hein. Faut quand même que tu la reconnaisses. Tu te dis, ah bah oui, c'est vrai, elle me reconnaît celle-ci. Ça va, elle me ressemble. On va dire que je l'adopte. Allez, ok, c'est bon. Oh, Nubu. Bonjour, Lali. Tu es belle comme un petit pissenlit. Voilà, c'est mignon. Ils font les idiots. Ils sont trop mimes. Pour l'instant, je vais pas faire bébé tout de suite. On va attendre un tout petit peu, peut-être quand la petite sera sur le point de grandir, hein. Quand ce sera son anniversaire. Et je pense que ce sera très bientôt, quand ils vont l'annoncer, quoi. Allez! C'est le milieu de la nuit. Et la petite Lali a envie de hurler! Bah voilà, c'est bientôt l'anniversaire de Lali. On va faire un bébé bientôt, quoi. Encore un. Encore? T'es sérieuse? Une heure seulement? T'es relou un petit peu, non? Hein? Ouais, t'es un petit peu relou, je crois. Allez, un nouveau matin. Tu vas dire bonjour à ta petite. Voilà, tu vas lui faire une grimace. Et puis après, bon bah gars, il y a du macaroni et tout ça, donc oui, tu peux te faire plaisir. Enfin, il n'y a que ça qui peut faire plaisir, quoi. Bon alors les enfants, aujourd'hui vous allez me refaire un petit, hein? Dès que vous avez fini vos tâches du jour qui vont être très légères parce que je vous rappelle qu'on n'a pas beaucoup d'argent donc on pourra pas faire 10 000 choses. Toi tu laves pas la vaisselle, je te surveille. Tu discutes, c'est déjà bien. Et ben vous ferez un petit bibou, hein? Un petit nounou, le petit frère ou la petite sœur. Oh bah dis, c'est pas grave, ton amoureux, ton mari, il viendrait réparer après. Ouais, on a compris, cocotte. Un petit tour par le jardin, qui est jamais très très rempli, hein, mais bon, c'est pas l'objectif principal au final, hein, mais en vrai, on a de la place, quoi, on peut cultiver des choses. Ouh, demain, c'est le solstice d'été. C'est vrai que la dernière fois, on l'a pas eu parce que je sais pas, ça a sauté, en fait. Donc cette fois-ci, c'est cool, on pourra le faire. Dis, je me disais, Amédée, peut-être que maintenant on peut s'en faire un deuxième de petits choux, tu sais. Ça va m'occuper mes journées comme ça. Mais bon, c'est comme tu veux, hein, quand t'auras fini tes ablutions. Non, mais ça va. J'ai rien dit. Elle est mignonne, la petite. Elle est pas trop chiante. Elle est assez calme. Donc ça va, ça passe. Bon, bah, ils s'éclatent hein, dans leur jardin, on peut dire ça. Hein. Bon, après, ils de garde. Radegonde, ça m'étonne pas parce que. Avec ses parents et tout, elle était habituée à s'occuper du jardin, mais bon, c'est cool, c'est sympa. Allez, il y a besoin de divertissement là, et puis il est l'heure, vas-y, le milieu de journée, ils ont rien à faire, on va commencer à se faire des petits bisouilles. Oh oui, voilà. Bon, bien sûr, on s'occupe de la petite Bichette qui s'est réveillée pile à ce moment-là, mais voilà, il y a Amédée qui arrive derrière, lui, il est prêt, hein. Il est prêt à en découdre et à ce que tu t'occupes de ses propres fesses, hein. Allez, au lit, Bichette. Oh, il t'offre une rose en plus, c'est trop mimes. Allez, c'est parti ou pas? Un petit peu de passion et c'est y part.
Wow. Allez, c'est parti pour un petit bébou. Un bébou numéro 2. Petit frère ou petite sœur. L'avenir nous le dira. Et youp là! Attention les yeux. Bon, bah maintenant que c'est fini... Non, non, tu vas pas t'occuper de tes plantes, non. Non, non, par contre, vous pouvez remettre ça. Bon, là, je risque gros parce que je me dis que ça pourrait donner des jumeaux. Mais on sait jamais. Et puis après, la génétique fait que, vu qu'une elle était jumelle, et ben, elle pourrait très bien avoir des jumeaux. Ce serait logique. Oupipipipipipi, c'est que ça se passe super bien là-dessous, dis donc. Ah bah ça y est. Ça y est, elle est déjà en train d'avoir la gerbe et tout. Et puis elle a les deux petites flèches, donc c'est bon, c'est confirmé. Oh, regardez qui est là! C'est Patronille! Oh, bah attends, tu vas l'inviter à entrer, ta belle-mère. Vous demandez si ça va, tout ça, depuis la perte de son mari. Mais ça fait plaisir de la voir. Oh, par contre, Amédée, t'aurais pu t'habiller quand même. Ça se fait pas au milieu de la journée. Elle va se demander ce que vous avez fait. Oh, maman! Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Et comment ça va depuis que papa est parti? Parce que oui, papa est parti. Ne l'oublions pas. Oh, et puis on va essayer de lui montrer la petite. Je sais qu'il y a une... Voilà, montrer à Petronille. Mais je sais pas si ça va vraiment faire quelque chose. Je sais pas, j'ai jamais essayé cette action. Ouais, bah en fait, non, ça marche pas des masses, hein. Voilà. En tout cas, tu peux t'en occuper quand même. Bah voilà, Petronille arrive avec Amédée. Avec un peu de chance, la petite va se mettre à pleurer. Et puis c'est Mamie qui s'en occupera. Comme ça, elle va la rencontrer. Ah bah nickel, la petite, elle commence... Ah super, la petite, elle commence à hurler. Bon. Oui, oui, c'est ta petite fille qui pue, hein, c'est pas... Voilà. Oh, ma petite fille, comment vas-tu, ma petite biche? Non, non, mais pleure pas, non, mais j'ai peur. Non, mais Petronille, t'as élevé 6 enfants, tu sais plus comment ça fonctionne ou quoi? Te font un manuel? Voilà, un petit câlin, mais bon, il fallait lui changer la couche, en fait, c'est pour ça qu'elle pue. Ah oh, bah, le truc derrière, il est déjà pourri. Super, ça tient pas longtemps. Petit dîner en famille, là, ça fait plaisir, n'empêche, je vais revoir... Petronille, je pense qu'elle va bientôt vieillir et devenir personne âgée parce que il lui restait 6 jours avant de vieillir et là ça fait quand même quelques jours qu'on est à la maison donc à mon avis elle va vieillir bientôt. Quand t'auras fini avec tes poubelles, ma cocotte, t'as ta fille qui réclame de l'attention et je pense qu'elle veut manger ce coup-ci. Oh, un joli petit tableau de famille, c'est mignon. Bon, et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter, sur ces fabuleux baisers de ces amoureux transis. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager la chaîne aussi, et puis à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, et puis voilà quoi. Je veux faire un petit peu de pub, parler de moi et partager tout ça. Je vous fais très gros bisous à la semaine prochaine pour la suite du Lord NLD Challenge ou d'autres choses. Je vous fais des bisous. Ciao.